Bonjour. Alors, un nouveau tuto, une nouvelle technique encore. J'adore les techniques, moi, vous connaissez maintenant. Bon. Pour ce tuto, il vous faut une tisane. Non, je plaisante. Il vous faut des encres à alcool. Alors, moi, je fais de la fimo. Du coup, j'ai des piñatas. J'utilise ça pour la fimo. Piñata, c'est des encres à alcool. Après, à Action, je ne sais pas s'ils en ont vendu ou pas. Je pourrais pas vous dire, moi je suis pas trop, j'y vais pas tout le temps à Action. Donc peut-être qu'il passait un temps, ils en ont vendu, que vous avez des encres à alcool. Donc c'est le moment de les ressortir. Je bois comme ça, ma gorge, elle va pas partir en cacahuète. Alors, il vous faut des tampons. Pardon, moi je prends le tampon d'une rose et le tampon d'une feuille. Vous pouvez prendre plusieurs feuilles, pas de souci. Alors, il vous faut du sopalin. Donc, il vous faut faire, voilà, moi je fais plusieurs couches comme ça. Je l'ai enroulé hein, tout simplement. Je l'ai tourné pour faire pas mal de couches, pas mal d'épaisseur quand même, histoire de pas que ça traverse, c'est tout. Hein. Autrement, si ça vous fait rien que ça traverse, par exemple, vous avez une plaque de verre, c'est pas la peine de faire très très épais. Le verre, ça se nettoie bien, je pense que voilà. Donc je vais vous passer sur mes mains puisque ma tête on s'en fout complètement. Voilà et on y va. Donc un papier donc blanc, votre base de carte en fait. Ah je vous ai pas montré la carte que j'avais faite. Voilà. Donc c'est marqué meilleurs vœux, mais après on met ce qu'on veut, hein, le sentiment, il n'y a pas de, il n'y a pas d'obligation. Donc je vous montre. Je vais la faire cette fois. Alors là, je l'avais fait en rouge et jaune orangé, je crois. Je vais faire un violet et jaune. Allez, on va faire ces deux couleurs. Soyons fous. Donc, vous mettez quelques gouttes là, de jaune. Et là, je vais mettre du violet cette fois. Voilà. Parce que ben, c'est des couleurs que j'aime bien, hein, tout simplement, le violet. Et ensuite, on y va tout simplement sur le papier. Ah, ça colle. Voilà, le jaune ne se voit pas beaucoup. Je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo. Moi, je le vois ici, mais en vidéo, je ne sais pas si vous allez le voir parce que le jaune ne se voit pas beaucoup, beaucoup. Voilà, on va faire un peu dans tous les sens. Voilà, et je vais en faire une à part sur un autre papier. Voilà, un petit bout de papier qui est là, ça me suffit. Une chute, hein. Une chute, ça suffit. Hein. Pas besoin d'avoir un super truc. J'essaye d'enlever quelque chose là, mais j'y arrive pas. Ah, ça colle. Je sais pas pourquoi elle colle. Ah, mais c'est l'encre à l'alcool qui colle, je suis bête. Je vais en refaire une. Voilà, elle est mieux. Donc, elle me plaît mieux. Celle-là, je vais la garder. Je la mets de côté. Je vais essuyer un petit peu. Finalement, le violet il sort d'une autre couleur. Pourtant, c'est du violet, un hein, purple. Je sais pas pourquoi il sort. Ah, mais c'est le jaune. Jaune et violet, ça fait une couleur un peu. Particulière, enfin, ça fait rien. Ensuite, je vais prendre ma feuille et je vais faire pareil. Je vais mettre du vert, donc de l'encre à alcool verte ici. Et hop, on y va. Voilà, et je fais pareil, je vais prendre ça et je vais tamponner aussi à côté, pareil. Voilà, je pourrais mettre des petits tampons encore, par exemple celui-là, pourquoi pas. Il y a un peu des espaces. Je pourrais combler un peu les espaces ici, vous voyez. Pourquoi pas. Enfin bref, voyez quoi. Donc je vous ai dit, hein, cantonnez-vous pas à une feuille, vous pouvez faire plusieurs feuilles, c'est pas grave. Donc quand on, je vous ai dit de tamponner, de mettre de côté, parce que celui-là, je vais le découper avec un dies. Alors, je sais pas pourquoi le dies est beaucoup plus grand que la fleur.
Peut-être un défaut, je ne sais pas. Je crois que c'est une fleur action. Alors c'est peut-être pour ça aussi. C'est pas du super top qualité. Je crois que c'est un tampon action. Voilà. Je vais prendre la petite demoiselle de Toga. Ça suffit pour faire ça. Par contre, vous allez bouger. Hein. Je suis désolée, mais... Voilà, si je soulève, ça fait moins bouger. Donc, hop, ça je mets de côté parce que je m'en resserre plusieurs fois. Voilà, voilà. Et après, pareil pour la feuille. Vous passez dans votre machine, je crois que j'en ai fait une là. Comme d'hab, je ne vais pas la trouver. Je l'ai perdue comme d'habitude. Qu'est-ce que je ne perds pas dans ce bureau? On se demande ce que je ne perds pas. On se demande. Ah, je l'ai perdue. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Pourtant, j'en avais découpé une pour dire m'avancer. Mais en fait, je perds du temps. Tout ce que je fais, je perds du temps. Non, elle n'y est pas. Bon, vous avez l'habitude, avec moi, je perds tout. Hein. De toute façon, je passe mon temps à chercher. J'ai toujours pas trouvé ma plaque de rainurage. Je ne sais pas où elle est. Un jour, elle va ressortir hein, quand je la chercherai pas. Mais bon, c'est embêtant, quoi. C'est embêtant de tout perdre. Avant, je perdais pas tout comme ça. Mais maintenant, je pense que c'est l'âge. On perd tout. Alors, je vais le mater avec du jaune, puisque j'ai mis du jaune sur mes fleurs. J'ai pris du jaune pour les tamponner. Donc, je vais mater en jaune. Qu'est-ce que c'est ça? Dès que ma minette, elle monte sur le bureau, j'ai plein de poils. Les poils noirs, elle a trois couleurs, mais les noirs, ils se voient bien, les poils noirs. Hein. Voilà. Et après, sur une carte, tout simplement, je vais le mettre ici. Et là, vous avez compris, je vais mettre mon petit sentiment. Voilà, j'aurais trouvé la feuille, ça aurait été mieux, mais je ne l'ai pas trouvé. Je pourrais le mettre en haut, je pourrais le mettre en bas, je ne sais pas où le mettre. Plus en bas, tiens, plus là. Voilà, avec sa fleur et normalement sa feuille, que je ne sais pas où j'ai mis. Je vais la retrouver, hein. J'aurai éteint la vidéo, après je la retrouve, mais bon, pour l'instant je la trouve pas parce que je suis en vidéo. Voilà, j'aurais pu faire le contour, le ancrer le contour peut-être pour que ça ressorte un peu mieux tout ça. Je vais l'ancrer en noir, ça ressortira mieux parce que ça fait ton sur ton, je trouve que c'est pas terrible. Voilà. Voilà, enfin, vous voyez, après, il faut mettre la feuille, hein, voilà, comme là, en fait, j'ai mis une feuille, et puis voilà. Voilà, j'ai changé les couleurs, j'ai changé le format, là, c'est plus grand. Je vais peut-être recouper un petit peu ici, parce que ça me paraît un peu trop grand. J'aime pas quand les cartes sont trop grandes. Après, ça rentre plus dans les enveloppes. Voilà. Donc, vous avez compris ma petite technique avec l'encre à alcool et les tampons. Tout simplement. Voilà. On peut faire à l'infini toutes sortes de tampons, toutes sortes de couleurs. Il n'y a pas de limite hein, dans ces trucs-là. Ça, c'est des techniques qu'il faut adapter après à vos goûts, à vos envies, à ce que vous voulez faire sur le moment. Il faut s'adapter, quoi. Bon, je vais chercher ma feuille, je vais la retrouver, mais ça sera trop tard. J'aurai éteint la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Hein, et puis, je vous dis ben, à une prochaine vidéo. Hein. Ah, bah tiens, non, c'est pas ça. Non, ça, c'était ce que je cherchais aussi. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est... Non, c'est pas Action, celui-là. Celui-là, il vient pas d'Action.
Ah mais non, cette feuille, elle vient pas là. Oh là là, je mélange tout là. Ah, puis ça, ça vient pas là, ça va là. Vous voyez, je suis en train de tout mélanger, puis après je dis je perds, je cherche. Oui, mais je mélange tout. Voilà, je vous fais de gros bisous. Hein? Allez, je m'arrête là. Je vous embrasse. Et à une prochaine vidéo, bien sûr. Peut-être encore une technique, je ne sais pas. Ciao.